Ça va, Christine? Tu as essayé le micro? Mais bonjour! Bonjour Hélène! Non, mais je peux prendre le balai si vous voulez. Au moins, on voit que c'est un couple de candidats. Bon, et ben encore une fois, Canal Pourpre est bien content. D'abord parce que Christine est derrière la caméra, ce qui est quand même vachement bien. Et puis, figurons-nous que nous avons avec nous aujourd'hui pour discuter politique les blackboulés des dernières élections. Enfin, une partie des blackboulés des dernières élections. À vrai dire, ce genre d'égalité n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a deux blackboulés qui s'y attendaient un peu, et un blackboulet qui s'y attendait pas vraiment. Enfin, il va nous dire ça, bien sûr. Alors, j'ai donc Hélène Lehmann et Philippe Mallard, qui étaient, comment on dit, la dupliquette, le binôme. EELV, parti de gauche, etc. Et vous n'avez pas eu assez de voix pour rester au second tour. En ceci, vous êtes blackboulé. Et nous avons Fabien Rué, la moitié d'un binôme du PS, qui était quand même parti probablement favori, comme on dit au tiercé, et qui n'a aussi pas eu... pas non plus les voix suffisantes pour se maintenir au second tour, puisque Bergerac, comme beaucoup de cantons par la France, enfin, a vu des seconds tours avec le Front National opposé à un des deux big parties, le PS ou l'UMP. Voilà, c'était notre cas ici, sauf que c'était pas le PS, c'était l'UMP qui est arrivé, enfin l'UMP, les divers droites, pardon, qui est arrivé au second tour et qui d'ailleurs ont été élus. Ce binôme a été élu. Voilà. Ça, il m'avait dit qu'il va faire 10 minutes de questions, ça va être chiant, etc. Donc non, je n'ai pas fait tout à fait 10 minutes. Alors qui veut prendre la parole, comme on dit dans les livres? Fabien pour commencer. Allez. Donc Fabien Rué, le blackboulet en chef. Oui, le chef de gare presque dans la matière. J'avais promis qu'on se reverrait de toute façon après les élections. Alors quand on n'est pas élu, c'est peut-être plus facile de tenir ses promesses que quand on l'est. Mais ah, cas, d'accord, oui. Bah, ça fait promet. Partie d'une démarche qui était un petit peu la nôtre. Ça a été effectivement une élection, mais qu'on savait difficile parce que le canton n'était pas forcément un des plus faciles. Le résultat est là. Moi, je veux d'abord dissiper un malentendu, ou s'il y en avait un malentendu, c'est que si je n'ai pas été au second tour, c'est pas parce que Europe Écologie Les Verts ou le Front de Gauche se sont présentés. Ils se sont toujours présentés aux élections. Il n'y a jamais eu de souci pour qu'on arrive à se qualifier, nous. Donc si on n'a pas été... Donc tu ne retiens pas la division de la gauche comme cause de... D'accord. Non, parce qu'elle était plus forte sur le canton 2, où on s'attendait finalement à ce que la gauche soit éliminée au premier tour, et ça n'a pas été le cas. Donc, à partir de là, et puis c'était tout à fait légitime qu'Europe Écologie Les Verts présente ses candidats sur Bergerac 1. Parce que d'abord il y a une tradition politique pour qu'il le soit, et puis après le Parti communiste, le Front de Gauche, on sait qu'ils avaient choisi depuis la fin des municipales de reprendre leur autonomie, donc je vois mal comment on pouvait partir en commun, d'autant qu'on avait quand même quelques divergences idéologiques, ça paraissait un peu compliqué, même si c'est vrai sur le canton de la Force, ils partaient en commun, donc c'était pas non plus infaisable. Non, je crois qu'on a été éliminé parce qu'on n'a pas été assez bon, ça c'est la première chose, et j'en suis le principal responsable. Il n'y a pas eu l'union de ma famille. Pas assez bon, tu veux dire dans quoi? Dans la campagne elle-même?
pas m'abriter derrière le contexte national, il était le même pour tout le monde. Donc, si ça passe pas chez moi alors que ça passe chez les autres, c'est qu'à un moment donné, j'ai été... Est-ce qu'on peut rappeler l'écart de voix en chiffres entiers comme ça? Ça a tenu à combien de voix? Ça a tenu à 70 voix. C'est la règle des 12,5% des inscrits. Il faut quand même rappeler ça, hein, c'est important, c'est bon, très peu de choses. Voilà, donc, on a fait, nous, pour ce qui nous concerne, 1547 voix. C'est ça. Espèce de chiffre maudit qu'on a en tête. C'est vrai que d'autres, sur d'autres cantons, ont fait moins de voix que nous, ont réussi à se qualifier. Mais sur Bergerac, ça passait pas. Alors, les candidats principaux, c'est-à-dire pour moi, pas avoir été assez sans doute persuasif, percutant. On a fait une campagne de proximité, mais on n'a peut-être pas été assez mordant à un moment donné. C'est-à-dire que oui, on a fait du porte-à-porte, mais on n'a peut-être pas fait un peu de politique à l'ancienne, c'est-à-dire aller chercher les adversaires quand il fallait. Moi, j'ai sous-estimé, alors là, clairement, le vote du Front National. Je savais qu'il serait important, mais dans le rapport au porte-à-porte, je ne l'avais pas senti aussi mobilisé tel qu'il l'a été dans les urnes. Après, il y a eu des problèmes en interne sur le Parti Socialiste, hein, qui est une grande famille, comme chacun le sait. C'est-à-dire où tout le monde se prépare les poignards à mettre dans le dos. Tout le monde fait du billard à 3-4 bandes, mais à un moment donné, on finit par jouer au billard en dehors du tapis. Donc c'est vrai que ça échappe un petit peu. Et quand on voit le minimum d'écart de voix, bon, ben là, on sait que les voix qui ont pu manquer, elles manquent là. Et puis après, il y a quelque chose qui est terrible, mais ça je l'ai senti pendant le porte-à-porte, c'est cette guerre entre la ville et l'agglomération. Globalement, j'avais beau dire que je me présentais pour les départementales, j'étais le candidat de la CAB. Mmh. Et de toute façon, nous étions enfermés dans un face-à-face extrêmement néfaste. Et le résultat, c'est que si je regarde un peu par rapport au municipal, moi je perds à peu près 5 points et l'adversaire Benfedoul et Blanc perdent par rapport à leur résultat. Donc il y a un vrai agacement des Bergeracois, sauf que nous, on partait d'un petit peu plus loin, donc finalement, mécaniquement, ça peut pas passer. Revenir sur les histoires de famille, est-ce que le fait que ce soit ce binôme-ci, dont toi, a fait problème au PS, ou, je veux dire, les gens, après coup, ont dit, bah, tu vois, je te l'avais bien dit, il fallait pas que ce soit toi, il fallait que ce soit X ou Y, je sais pas. Alors, je crois pas que ce soit sur moi, c'est plutôt par rapport à la notion d'hégémonie qu'a le Parti Socialiste. C'est-à-dire que le Parti Socialiste a une tendance à penser qu'il est tout seul à gauche. Et le débat que nous avions eu en interne au moment des désignations, c'était de dire, est-ce qu'on part tout seul ou est-ce qu'on part avec d'autres? Moi, j'ai fait partie de ceux qui considéraient qu'on devait se rassembler au maximum. J'avais la menace d'une candidature autonome du PRG, donc on a essayé de s'entendre avec eux. Pour Europe Écologie Les Verts, ça s'est joué au niveau départemental. Donc il n'y avait pas d'alliance possible, mais si on m'avait dit il faut s'allier à Europe Écologie Les Verts, j'aurais agi de la même manière, et le PC c'était non. Mais je pensais effectivement qu'il fallait aller sur cette alliance-là, et ensuite sortir des sentiers battus, c'est-à-dire que je considère qu'il faut que le PS arrête de se regarder le nombril, et aille dans le sens de la démocratie participative, mais le plus proche possible des citoyens. D'où cette campagne de porte-à-porte. Ben, c'est vrai qu'à un moment donné... C'est preuve des convaincus, puisque Canal Pompe a été de ceux qui vous ont dit à tous qu'est-ce que vous attendez pour faire des réunions communes, et non pas chacun dans votre coin de parti, mais voilà, ça n'a pas marché d'ailleurs, on a réussi à convaincre à peu près personne, et on continuera quand même à le dire probablement. Bon, ben merci pour cette première approche, on reviendra peut-être sur les leçons de tout ça. Et vous autres, les seconds Black Boulet? Écoutez, moi, c'était ma première expérience. Finalement, 8% pour une première candidature, pour des candidats. Enfin, moi, j'étais pas encartée. Je suis pas bergeracoise depuis très longtemps. Je me dis, bon. 8% sur les votants, tu veux dire? Tout à fait. Ouais, pas sur les inscrits. Ça, c'est vrai que bon, y a plusieurs choses que je regrette énormément. Ça, c'est sûr. Ça fait 4% sur les inscrits, quoi. Le score du Front National m'échappe complètement. Enfin, les raisons, il y en a beaucoup qui m'échappent.
voilà, ça c'est quelque chose qui me fait, qui m'affecte quand même beaucoup parce que bah c'est pas un... Je pense qu'il y a eu une campagne nationale, il y a eu beaucoup de promotion au niveau des médias nationaux sur le Front National. On a parlé énormément du Front National pendant cette campagne-là, même s'ils n'avaient pas forcément grand-chose en termes de programme. C'est vrai que c'est un peu frustrant quand on c'est une pure étiquette. Quand on se démène un petit peu pour une marque campagne, même, on va dire. Et qu'on voit des candidats qui n'ont pas fait grand-chose finalement et qui récoltent 30% sans... Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était assez décevant. Et puis bon, l'abstention qui reste toujours aussi forte, hein, 50% d'abstention quasiment, enfin bon, pas sur Bergerac, mais globalement national. Quasiment. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça pose question. Ça pose pas mal de questions. Après, moi, l'expérience m'a vraiment plu, quoi. Le fait de pouvoir... le débat aussi à Canal Pourpre, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était vraiment... pour moi un moment intéressant. Bon, tout ce qui était interview aussi, de pouvoir... Toi non plus, tu ne regrettes pas, comme lui, la division relative de l'opposition, enfin de l'opposition, je crois que si on est parti, de gens comme vous. Quoi. Je crois que si on est parti séparément, c'est qu'on n'a pas réussi à se retrouver sur des programmes. Donc je pense que c'est important aussi, à un moment, de porter une candidature. Je pense que la candidature qu'on porte avec Philippe était vraiment... centré sur le renouvellement de la démocratie, ça nous paraissait vraiment important, le fait qu'on parte aussi soutenu par des partis mais sans étiquette, et puis vraiment travailler cette idée d'écologie qui traverse tous les aspects politiques. Voilà, ça, c'était vraiment intéressant, et je pense que pour la suite, on va continuer à travailler comme on le fait, quoi, hein, travailler de manière associative, à travailler dans les quartiers, à rencontrer les gens, à être présent, quoi, sur le terrain, dans la vie citoyenne, quoi. D'accord. Voilà. Philippe. Alors, concernant le score du Front National, évidemment, je faisais partie de ceux aussi qui avaient peut-être sous-estimé, comme le disait Fabien, l'importance relative du Front National. Il faut quand même relativiser. Si on regarde les élections municipales, les anciennes cantonales, certes, il y a une progression, mais bon, elle est assez faible. C'est très difficile à décrypter. Combien de voix le Front National ici ? En voix, je ne sais pas. Ah bon ? Plus personne ne sait ça. On devrait tous savoir ça. En voix, non. Mais, lui, c'était 1547, il s'en souvient. Oui, il s'en souvient. donc le Front National, c'est un peu plus. Oui, c'est plus, forcément. Mais non, très difficile à décrypter. Mais c'est pas beaucoup plus, je veux dire. Bon, très difficile à décrypter, ce score du Front National. Certains avancent X raisons, mais je crois que, à part le rejet, ou une certaine forme de rejet qui se traduit par ce vote Front National, tu disais que lors des porte-à-porte, tu l'avais pas trop senti. Nous, on a quand même rencontré, mais je ne l'avais pas fait avec toi, c'était avec Marie-Jeanne. On a discuté avec des anciens militants communistes qui ont dit clairement qu'ils allaient voter Front National, qu'il fallait essayer quelque chose. Et l'argumentation ne porte plus, c'est-à-dire qu'en essayant de discuter, en argumentant, en présentant ce que les mairies frontistes ont fait dans le Sud, on avait l'impression qu'ils restaient totalement sourds à ce vote qui n'était pas... Enfin, sans juger, hein, bien sûr, mais un vote qui était un vote de rejet, et de dire, plutôt que s'abstenir, ben on va voter Front National, on en aura le bol, il faut changer quelque chose, avec des propos parfois un peu étonnants, quoi. Je peux le dire ici, mais quand on entend des gens dire, au moins Hitler, il a mis en place quelque chose, il a tenu ses promesses, il a été jusqu'au bout, j'essaie d'expliquer que c'était quand même un projet particulier, c'était même pas la notion, le fond du programme, c'était... Il avait dit ça, il a été jusqu'au bout. C'est aussi ce qu'on vous dit quand vous faites du porte-à-porte. N'oubliez pas que c'est une situation qui implique aussi un type de réponse, puisque vous posez un certain type de questions. C'est pas forcément le fond de la pensée des gens. C'est ce qu'ils répondent à la situation que vous leur imposez. Alors peut-être qu'on peut faire une analyse sociologique en montrant que cette porte-à-porte est un peu biaisée. Bref, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Oui. Par contre, ce qui comme les sondages d'opinion, si tu veux, ça dépend beaucoup de la question qu'on te pose, quoi. Ils font l'opinion souvent, comme le disait Hélène aussi, le rôle des médias dominants. Et puis, ce que je voulais dire sur le Front National, c'est que cette élection aurait pu être un levier pour proposer quelque chose de différent. D'abord, il y avait des binômes, la parité.
Et puis ce renouvellement de la politique qui nous tenait à cœur. Et en fait, quand on regarde le programme du Front National, c'était absolument pas un programme départemental. Oui. Hein, donc oui. Ça, c'est assez, ça qu'on assez que c'est étonnant marque, de voir quoi. Que sur des élections, ouais. Finalement, l'enjeu de l'élection départementale, je crois que les électeurs frontistes n'y étaient pas forcément attachés. Ouais. Donc voilà, enfin, il y a différentes analyses et ça m'a... Je pense que c'est ce qui arrive depuis quelques années, c'est aussi parce que les partis politiques dominants n'ont peut-être pas tiré toutes les leçons de la montée du vote frontiste depuis années. Parce que quand on regarde les réactions des différents états-majors, d'ailleurs des partis politiques, le soir des élections, moi j'étais absolument stupéfait certes prendre acte, mais pas du tout essayer d'analyser les raisons profondes qui font que les gens vont aller voter pour un... Justement, parlons-en un petit peu. Donc ça, c'était un peu le passé récent, mais le passé quand même, même s'il est récent. Je coupe la parole, mais vas-y. Plaisir. Quand Fabien disait que sur le canton 2, c'est vrai qu'il y avait plus de listes de gauche que sur le canton de Bergerac 1. Déjà, première chose, je pense que pour la vie démocratique, il vaut mieux cette diversité qu'une union artificielle qui amènera pas forcément grand... Enfin, qui va amener des déceptions. Et puis sur le canton de Bergerac 2, Frédéric Desmarès, maire de Crès, vice-président de la communauté d'Aglo, donc peut-être une assise féodale, on pourrait dire ça comme ça, qui est à l'inverse de ce que nous on cherchait à défendre. Et ça marche, c'est-à-dire que voilà, il va avoir un troisième mandat. Ça aurait pu marcher sur Bergerac aussi, puisque c'est le même parti. Oui, mais c'est quelque chose qui fait qu'on est très très loin de revivifier la vie politique aujourd'hui et cette vision d'une démocratie vraiment active qui permettrait aux citoyens de prendre part à tout ça. Ok, donc ça c'est pour le passé récent. On pourrait passer justement à l'avenir. Donc comment est-ce que vous voyez les choses? Alors Fabien, je ne sais pas, tu vas rester au PS, tu vas ruer dans les brancards, tu vas te présenter... alors on lui a déjà fait 10 fois, alors il faut bien... Oui, à moi, à mon grand-père, à mon père... c'est ça. Et je veux dire, les municipales, tu y penses? Les régionales qui vont venir très bientôt Avant les échéances électorales, d'abord oui, je reste au Parti Socialiste, ça fait partie de mon identité militante, je ne vois pas pourquoi je quitterai. Bien au contraire, il y a un congrès qui va avoir lieu, alors qu'il commence mal, parce qu'effectivement, le débat que nous devrions avoir depuis plus de 10 ans, voire même depuis 1983, vraisemblablement n'aura pas lieu, parce que... c'est unique dans notre histoire de parti, c'est-à-dire que d'habitude les motions sont là pour exprimer les différences légitimes, et il y en a, et c'est ce qui fait la force de ce parti, et on fait la synthèse une fois que ces motions ont été tranchées. Là c'est l'inverse. Par les militants, et avant même que les militants aient pu trancher, on a une première synthèse un peu artificielle qui arrive. Madame Aubry. Voilà, donc là c'est... Du coup, ça m'amènera à me positionner certainement un peu différemment de ce que j'ai pu faire par le passé. Mais j'attends de recevoir quand même les motions et de les lire. Donc il y a ce débat-là. Et puis, il y a quand même la maison citoyenne. C'est-à-dire qu'on a essayé de lancer ça à quelques-uns pendant la campagne électorale. On a déposé les statuts sur la base associative. Je ne serai pas président de cette association parce que je ne veux pas qu'on me dise déjà c'est la résurgence de Forum 2000 ou de choses comme ça qu'on a connues par le passé. Mais c'est la volonté que cette structure associative permette justement ce travail que vous faites à Canal Pourpre, qu'on a fait pendant la campagne électorale et qui permette de faire du lien entre des gens d'horizons totalement divers. J'ai retenu un peu ce que vous m'aviez dit lors du débat. Et pourquoi vous ne vous invitez pas les uns chez les autres? Ouais, c'est ça. Et finalement, je me suis dit, on va essayer d'avancer sur cette aventure de la maison citoyenne. Donc on a à peu près, on n'est pas en Union soviétique, on ne gonfle pas les chiffres, on a 67 demandes d'adhésion pour cette structure. On a bouclé un petit financement qui va nous permettre d'avoir un petit local. C'est ça veut dire un lieu. Un lieu qui sera la maison citoyenne. D'accord. Et qui sera ouvert effectivement un petit peu à tout le monde pour débattre de questions de société, pour parler un peu de l'actualité municipale, pour pouvoir impulser aussi des votations citoyennes sur un certain nombre de sujets. Et essayer d'apporter un peu ce liant que
dont on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette campagne électorale et qu'on n'a pas vraiment pu concrétiser. Tiens, à ce propos, est-ce que ton blog s'est rapproché de ça? C'est une maison citoyenne virtuelle, bien oui, sûr. Alors, mon blog, non, parce qu'il est, mais il était déjà ouvert. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait mettre un commentaire pouvait le faire, virtuel, etc. Oui. La maison citoyenne aura le sien aussi, parce que c'est un des moyens. Et puis, c'est vrai qu'on va essayer de tendre un peu la main à tout le monde pour dire, ben, venez à la maison citoyenne. Non, au point maison... de vue de la réception de ce blog, du tien, donc, tu as senti quelque chose ou ça t'a paru... Tu regrettes moi, pas j'étais très... Ah non, je ne regrette pas du tout. Parce que alors, dans les porte-à-porte, j'étais très surpris de voir des gens, mais on vous connaît, on vous a vu sur... Le c'est blog. Pas non plus, il n'y a pas 200 personnes qui m'ont dit ça. Hein. Mm-hmm. Mais des rencontres comme ça de personnes... Donc, connaissez l'existence du blog. Connaissez l'existence du blog parce que moteur de recherche, il tapait Bergerac et il devait sans doute tomber plus facilement dessus. Et puis, c'était aussi une manière de rendre des comptes un peu plus régulièrement de ce qu'on fait. Et puis d'échanger. Okay. Si on regarde mon blog ou même ma page Facebook, mon profil Facebook, je suis pas du genre à mettre la photo de Fabien va au marché, Fabien est à l'école, Fabien bon, à la plage, etc. C'est toujours un petit peu de fond. Après, pour la dernière partie de la question, les régionales, c'est pas moi qui le décide, ça se décide au niveau régional. Si Alain Rousset considère que je suis représentatif ou d'autres, bah, on verra la proposition qu'on me fera. Il est évident que j'ai du temps libre devant moi et que je suis disponible, mais enfin, c'est pas moi qui vais le décider. Moi, je reste disponible pour Bergerac et pour essayer de créer une dynamique pour les prochaines municipales. Ça sera moi ou un autre. C'est pas le problème de personne. Je crois qu'il faut se mettre à travailler parce que, alors là, je suis très très sérieux pour le coup, les résultats des cantonales, si on les projette en municipales avec les règles des modes de scrutin, etc., eh bien, il suffirait que le Front National travaille un peu, parce qu'on a bien vu qu'ils n'avaient rien fait pendant cette campagne, pour être en position de gagner la ville dans une perspective de triangulaire. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. D'accord. Cette histoire de maison citoyenne, donc ça se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure. Hélène, tu parlais du travail associatif que tu comptais poursuivre en rencontrant les gens. Alors, il y a une association qui avait été créée suite au municipal qui s'appelait Vivre Mieux à Bergerac. Les statuts ont été modifiés récemment pour sortir un petit peu du chapeau politique. C'est-à-dire que c'est une association maintenant qui porte le projet de jardin citoyen. D'accord. Et de jardin partagé. Et donc, on va avoir une maison et un jardin. Génial. Et donc, le projet est bien avancé. Marie-Julie Maffeis porte ce projet. Et donc, il devrait voir le jour, ces jardins, dans le quartier de la Brunetière. D'accord. Près de la maison de quartier de la CAT. Donc, c'est vrai que ça permet d'investir ce quartier qui, moi, m'a vraiment surpris quand j'ai fait du porte-à-porte avec la réputation qu'a ce quartier, voilà, traditionnellement, hein, quand on parle de la CAT. Et puis, finalement, sur le terrain, de voir les rénovations qui ont été faites, une maison de quartier qui est neuve, moderne et active. Et donc, oui, c'est vraiment intéressant d'investir un petit peu... ce terrain-là et la forme des jardins partagés en termes d'écologie, moi je trouve ça d'accord. assez formidable. Ouais. D'accord. Dis-moi Philippe, tu sais que M. Sarkozy il veut changer le nom de son parti, il l'appelle Républicain, alors tout le monde lui la tombe dessus. La cadre républicaine après la maison jardin. Non mais il y a maison citoyen, jardin citoyen, on pourrait leur dire la même chose. Est-ce que vous vous accapez paraît pas un mot comme ça, les Républicains pour l'autre, mais là, ce serait citoyen, non? Et qu'est-ce que tu vois là-dedans? Tu parles des jardins partagés, de la maison. Maison citoyen, jardin citoyen. Bon. Non, c'est pas jardin citoyen, c'est jardin partagé. Ouais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, c'est le nom d'une association. Ouais. C'est vrai que j'avais dit à Fabien que c'est enfin, ça me semblait être une marque de fabrique de dire maison citoyen. Ou ce mot-là, je me souviens dans mon boulot, il y a quelques années, l'éducation civique est devenue juridique, sociale. On faisait la citoyenneté partout. Et en fait, il n'y en avait nulle part. Quoi. Donc moi, c'est quelque chose... Il y a Chevènement qui a déjà montré le chemin avec le mouvement des citoyens. Oui, oui. Il y a très longtemps. Mais c'est le passé. MDC. Donc, voilà. Mais derrière, en tout cas, les termes et les mots qui sont choisis, on voit bien qu'il y a des initiatives qui...
qui me paraissent fondamentales, à condition qu'elles ne soient pas artificielles, pour mettre en synergie, en tout cas croiser les activités associatives. Je suis stupéfait aussi, j'aime beaucoup ce mot aujourd'hui, de voir que les associations ne savent pas ce que font les autres associations, que dans le cadre de la politique de la ville, il ne faut pas se planter, parce que les fameux conseils de... C'est maintenant le conseil de citoyens, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mmh. On a vu que ça ne marchait pas, les gens ne viennent pas. Catherine, qui est à la Brunetière, elle a dit, on était 3 ou 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les présidents d'assaut connus, si possible, des gens qui ne dérangent pas trop, pour faire croire qu'il y a de la démocratie participative, et on va à nouveau revenir en arrière, c'est-à-dire que on ne laisse pas, on n'invente pas des dispositifs permettant aux habitants de prendre part à la démocratie, c'est-à-dire de vraiment de faire partie, d'agir, de se rencontrer, de décider, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose, en plus, pour les partis, on va dire, dominants, de vraiment... enfin, j'espère que ce que tu as dit, tu vas vraiment le mettre en œuvre, mais réfléchir sur le fond, même si d'abord... pour essayer de réfléchir sur le vote frontiste, pour essayer d'analyser les raisons, et là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va voir à nouveau au conseil départemental? Les élus du canton de Bergerac 1 sont des cumulards, Bergerac 2 sont des cumulards, voire des triples cumulards, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça continue à avancer, qu'on va droit dans le mur, sans réfléchir aux conséquences, à partir du moment où on garde son précaré, et les indemnités qui vont avec. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que lui-même a dit, c'est Alain Rousset qui va décider, par exemple, pour les régionales. Mais ça, c'est leur parti. Donc, oui, non, mais ça concerne tout le monde. Nous, voilà, on était sur cette position de non-cumul et de non-renouvellement, même si sur le non-renouvellement, il y a eu parfois des discussions. Ce non-cumul me paraît important. C'est au moins ces décisions-là qui permettraient de renouveler un peu les choses. Pour les régionales, tu veux dire? Vous allez essayer de faire un truc? Alors, pour les régionales, moi, je ne vais pas m'avancer, puisque les régionales, c'est un autre contexte politique. Moi, je ne suis pas encarté Europe Écologie des Verts. Non, mais donc, justement. J'en suis vraiment pas là à penser ce que je vais faire pour les régionales. Je crois que je vais continuer, en tout cas, ce que je fais à Canal Pourpre ou par ailleurs, les jardins partagés, c'est-à-dire vraiment... faire des choses avec et pas faire des choses pour les autres en pensant la question à Madame la députée aussi, d'ailleurs. Ce qui est mieux pour eux. Voilà. D'accord. Je crois que la question du non-cumul des mandats est fondamentale. Je crois que si vraiment on veut ramener les électeurs vers les urnes plutôt que de rendre le vote obligatoire avec des sanctions, ce qui va traiter le symptôme mais pas les causes, un seul mandat, un mandat unique. Et c'est vrai que c'est dommage que François Hollande ne soit pas allé plus loin. Il a commencé à travailler sur cette thématique. Il y a des cumuls qui ne sont plus possibles. Mais comme disait M. Benfédoul lors du débat, localement, ça ne pose aucun problème. Ouais. Donc, et moi, ça me surprend toujours. Ça me fait penser que la parité était aussi un de tes sujets favoris. Et on a vu le résultat avec la présidence des conseils départementaux. Oui, c'est absolument incroyable. Ouais. Enfin, c'est... 10 sur 90, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est 10%, quoi. Ouais, il y a un peu plus de 100 cantons et il y a 10 qui sont... Enfin, de départements, il y en a 10 qui sont gouvernés par les femmes depuis les dernières élections. 10%, quoi. Voilà, on est loin du compte, en effet. Et je crois que c'est vrai que tant que toutes ces choses-là ne bougeront pas, les électeurs vont... Enfin, une partie des électeurs vont continuer à s'abstenir. Ouais. Parce qu'ils n'y retrouvent absolument pas leur compte. Ils ne comprennent pas que des gens puissent cumuler plusieurs indemnités alors que, visiblement, ils n'ont pas le temps ni les moyens humains pour réaliser les tâches dont ils sont en charge. Mmh. Voilà. Ça, c'est sûr que la Dordogne ne donne pas le bon exemple dans l'état actuel des choses, quoi. C'est vraiment... dommage. Bon... D'accord. Vous voulez ajouter des trucs? Allez-y. Il faudra engager au niveau, à mon avis, aux prochaines présidentielles, d'ailleurs, ce débat sur la refondation de la démocratie. Parce que on a parlé, là, je crois, il y a une semaine ou 15 jours, du vote obligatoire. C'est Bartholome qui a lancé l'idée. Mais on ne peut rendre le vote obligatoire que si, en contrepartie, le vote blanc est officiellement reconnu. Parce que pourquoi obliger les gens à voter si ensuite ceux qui ne veulent pas voter pour l'offre politique qu'on leur propose ne peuvent pas être reconnus dans leur vote? Le non-cumul des mandats... Les Russes et les Sud-Américains ont inventé le bulletin que c'est « Bayan todos », qu'ils s'en aillent tous. Ah, il faudrait faire ça aussi. Mais le vote blanc sert normalement à ça. C'est une vraie expression. Et de la même manière, on ne peut
pourra pas, à partir de 2017, cumuler des exécutifs locaux, deux exécutifs locaux, c'est-à-dire être maire et président d'une intercommunalité ou président d'un conseil général, vice-président et maire d'une grande commune. Ou conseiller municipal et conseiller cantonal. Non, la loi le permettra. Oui, je le sais, mais on n'est pas obligé d'attendre la mais loi. Mais il faut limiter le cumul dans le temps. Oui, parce bien que sûr. Si on veut arriver au renouvellement de la classe politique et permettre qu'il y ait un sûr. Gros brassage... Mais le non-cumul veut dire aussi le non-renouvellement. Deux mandats exécutifs ouais. consécutifs, bah c'est 10 ans de mandat en moyenne, c'est bien 10 ans. On a le temps de faire des choses, et puis on passe la main. C'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on avance, parce qu'on a, on a l'air d'être un peu démunis, nous, localement, bien d'accord. pour faire avancer ces idées. Et ben. Tu parlais de propositions, c'est ça ? Il y a des choses qui se font, je vais le répéter à nouveau, dans différents pays, mais cette prise en compte de l'abstention, ce serait d'ailleurs rigolo de faire... Enfin, rigolo. Si dans l'Assemblée départementale, on faisait une véritable assemblée par rapport aux inscrits, il n'y aurait pas grand monde, je pense, dans cette Assemblée départementale. Il y aurait 2 ou 3 élus par rapport au nombre d'élus, au nombre de personnes. Oui. Donc, ça serait au moins représentatif de la réalité de la représentation telle qu'elle est. Un cinquième, à peu près. Je ne sais pas, un retour à la proportionnelle, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans ce système électoral? Si l'abstention n'est pas 50%, on annule les élections et on en refait. Avec peut-être d'autres listes, d'autres candidats. D'accord. Alors, ça a un coût, il paraît, évidemment. Mais, voilà, mais c'est vrai que tout ça, ça paraît un petit peu difficile à mettre en œuvre, puisqu'il faut un nouveau cadre législatif. Ça veut dire qu'on est très, très loin d'arriver à faire progresser, faire monter ces propositions, à les rendre concrètes. L'engagement associatif, malheureusement, qui est politique, hein, mais l'engagement associatif... et peut-être, en tout cas pour moi, un moyen d'avancer un petit peu, d'avancer un tout petit peu sur ce chemin-là. Même en tout s'il cas, y a pas d'expression dans les. C'est sûr que Canal Pourpre, en tout cas, continuera comme il peut à chercher ou comme elle peut à chercher des signes de tout ça. Et juste dernière chose par rapport au débat, c'est vrai que je me souviens avec Hélène, une des premières choses qu'on avait proposées, nous, c'était d'aller à la rencontre de tous les candidats. De discuter avec eux, pas faire d'ouverture ou de tapis rouge à qui que ce soit. Et vous vous faites taper sur les doigts. Bah, c'est difficile, mais même ta coulissière qui disait ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et beaucoup de gens. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fait pas. Et bien, justement, ça ne se fait pas, et on va droit dans le mur. Donc, je ne sais pas si dans la maison citoyenne, à la maison citoyenne, tu vas inviter. S'ils veulent bien venir. Toutes les expressions politiques. J'espère que nos élus, nos cumulards de Bergerac 1 vont tenir leur promesse de aussi démocratie, enfin pas participative, mais en tout cas ils vont essayer de rendre des comptes. On va voir. Pour l'instant, ils sont à la mairie depuis un petit moment. Il y a très très peu de choses qui se font pour rendre compte de leur action, notamment dans la coupe sombre des budgets des associations, même si le maire avait fait une réunion, une grande grande réunion, une plénière, en promettant par exemple... Là, je crois qu'on aura plus de subventions l'année prochaine, mais non. En promettant, par exemple, de rencontrer toutes les associations, je m'en souviens très bien, on va tous vous rencontrer, on va essayer de mutualiser. J'avais fait une proposition en disant, puisqu'il manque un peu d'argent, pourquoi est-ce que les associations, les grosses associations qui ont des locaux mis à disposition, pourquoi certaines ne payent pas leurs fluides? Si au moins elles payaient les fluides, l'eau, l'électricité, ça permettrait peut-être à des associations un peu plus petites de pouvoir respirer davantage. Voilà, bon, on pourrait discuter de tout ça. Et en fait, on a eu une plénière, une pseudo-démocratie participative, et puis il y a plein d'associations qui n'ont jamais revu des représentants de la mairie pour essayer de mutualiser, d'échanger, donc voilà. On peut rappeler, excusez-moi, une manie des chiffres, mais résultat du second tour, les premiers ont devancé les seconds de combien de voix? Parce qu'on ne va pas parler à pourcentage. C'était pas une victoire extraordinaire. C'était quelques centaines, je crois, non hein? C'est quand même un nombre d'inscrits. Par contre, c'est très impressionnant sur Bergerac 2. Parce que là, le Front National atteint les chiffres quand même. Il frôle les 40%. Attends, tu veux dire les 20%? Les 20%. Mais on doit même être à 25%. Si on raisonne vraiment en termes des inscrits, parce que la participation était un peu plus forte.
Non, mais je dis ça parce que sur Bergerac 1, donc c'était à la ville, quoi, c'est vrai que tu disais 70 voix pour être, il me manquait 70 voix pour être second tour, et je pense que le second tour répète ce genre de choses, évidemment avec des chiffres un peu différents, mais n'oublions pas que ça tient à quelques poignées de voix, quoi. Hein, c'est pour ça que quand je dis... Si j'avais fait l'unité dans ma propre famille, certainement, parce que je les compte dans mes cauchemars la nuit, certains comptent les moutons, moi je compte les électeurs. Non, c'est pas vrai, mais non, on a quand même fait le calcul et ça, ça se joue à pas grand-chose. Après, ce qui est perturbant, c'est pourquoi les bureaux de Suzanne Lacor, par exemple, qui sont justement au cœur du quartier de la Brunetière, ces bureaux n'étaient pas touchés par le redécoupage cantonal, puisqu'ils étaient de toute façon dans l'ancien canton de Bergerac 1, sur le nouveau canton de Bergerac 1. Pourquoi ces bureaux-là ont été supprimés ? Le dimanche, je me suis promené, ça a été, de toute façon même pendant le porte-à-porte, c'était déjà le cauchemar, parce que c'est des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas de mobilité. Qui l'a décidé ? C'est la mairie. Mais pourquoi ce choix de sacrifier les bureaux de Suzanne Lacor et de les amener voter à l'école des Vores, même si pour nous qui avons l'habitude d'être mobiles, ça paraît naturel. Mais tu soupçonnes une intention machiavélique ? Non, mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas grand-chose aussi. Ah, ça, c'est Et puis sûr. Sur la liste des inscrits, pourquoi dans des bureaux de vote, il y a plus de 250 cartes électorales qui sont restées et qui n'ont pas été retirées ? Je connais au moins trois bureaux de vote, un au Taillis, celui du centre-ville, et un au Pont-Roux, où il y avait 200 enveloppes à peu près qui sont revenues sans avoir été. Ça fait déjà plus de 600 électeurs. Oui. Bon, ça donne des... C'est-à-dire que même ces listes électorales, c'est pas clair du tout. C'est un argument à double tranchant, parce que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le cumul et l'espèce d'immobilisme de la vie politique française, vie politicienne, demeure, parce que les élus, ils se disent de toute façon, je vais pas m'emmerder, ça tient à quelques, si je me débrouille bien, quelques quinzaines de voix, quelques vingtaines, et puis voilà, quoi. Alors, ça, c'est aussi le problème de... Alors, on est dans un rythme électoral extrêmement... Et en plus, etc. ça se reproduit assez souvent. Et c'est vrai que quand on constitue une liste, si on parlait tout à l'heure des régionales, celui qui, de Bordeaux, de la super grande région, qui va devoir gagner sur la totalité de ses nouveaux départements, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher des gens qui sont suffisamment représentatifs. Et pour lui, la représentativité, son critère, c'est celui qui a le mandat le plus... Donc on va forcément faire appel à ces cumulards. Une espèce carte. De cercle vicieux et voilà, c'est ça. Un peu maladroit. Et donc je finis avec mes listes électorales. Ça veut dire aussi que des gens ne sont même pas tracassés de ne pas avoir leur carte d'électeur. Parce qu'on n'est quand même pas en Corse. On ne fait pas voter les morts encore. C'est pas Beau Férié et le Pont Saint-Jean et la Baie-Lille qui ont voté, qui n'ont pas été votés. Donc c'est ça aussi qui me conforte dans l'idée qu'il faut aller dans la proximité et qu'on arrive avec beaucoup d'humilité à faire en sorte qu'on puisse fonctionner ou initier dans le tissu associatif des pratiques qui soient proches de celles d'un canton suisse. Si on arrive à être dans le milieu associatif capable d'impulser cette dynamique-là, c'est aussi demain quand on va se mettre autour de la table en disant « Bon, mais pour les prochaines municipales, qu'est-ce qu'on propose ?» On sera fort d'une expérience, mais ça sera aussi une garantie pour ceux qui nous feront confiance en disant « Attention, si on est élu demain, on va continuer à travailler avec vous de la même manière. » D'accord. C'est-à-dire qu'un maire ou une équipe municipale ne décide pas de tout. Pourquoi, par exemple, on voit fleurir des espèces de bornes, là, au milieu de la rue de la Résistance, depuis 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas combien ça coûte, on me dit entre 50 et 100 000 euros. Ça sort d'où, cette histoire-là ? J'en sais rien. Même la représentation communale ne l'a pas votée, n'a pas décidé. Oui, en tout cas, je crains que pour les régionales, l'histoire de l'abstention ne dure quand même encore un peu, au moins. Mais enfin, sinon, Inch'Allah, que Dieu t'entende pour les municipales, si vous arrivez tous, les uns et les autres, à faire baisser ce putain de chiffre d'abstention, ce sera pas mal. Oui. Très bien. C'est bon ? J'ai plus rien à ajouter. Non. Bon, merci à tous les trois, c'était sympa. Puis un de ces quatre, probablement. Souple. Merci Christine.